Bonjour à tous, c'est ici Cléa Sim et on se retrouve pour ce 20e épisode sur Civilization Beyond Earth. Donc on s'était laissé dans le dernier épisode, mais on avait capturé Tiangong. Et on se dirigeait pour capturer cette cité-là, ce qui nous permettrait de nous rapprocher des villes qui sont ici, ce qui pourrait être assez intéressant pour nous. Alors, je tiens d'abord à m'excuser un petit peu pour l'épisode précédent qui était très très court, hein. 18 minutes, c'est pas vraiment le temps que je fais d'habitude. Mais en ce moment, il faut savoir que je suis quand même relativement occupé. Je tourne les vidéos quand je peux et je pensais avoir tenu juste les 25 minutes. Donc c'est pour ça que j'avais coupé mon épisode et en fait, il s'est avéré que j'avais pris beaucoup moins de temps que ça. Donc cet épisode fera quand même 25 minutes, hein, et j'espère ne pas faire moins, je ne vous promets rien. Mais voilà, il fera pas forcément plus parce que, comme je l'ai dit, je suis relativement occupé. Et même si c'est un plaisir de jouer à ce jeu et de vous le partager, c'est pas toujours évident pour moi. Voilà, donc de ce côté-là, bon, la ville, alerte intrusion, rien de bien méchant. Je vais pas m'amuser à le capturer, c'est pas intéressant pour moi. Par contre, je vais faire venir ma xéno-cavalerie le plus rapidement possible dans le coin. On va voir si en passant par les routes, je pourrais pas aller un peu plus vite plutôt que d'essayer de passer à travers les montagnes. Ce qui n'est pas toujours aussi intéressant que ça. Ok, donc là, il y a du basalte. Donc la cité doit se trouver ici. Hein. Là, on est relativement loin. On pourra toujours faire un aller-retour pour se lancer à la quête, à la suite de nos adversaires. De ce côté-ci, plutôt pas mal. Pour l'instant, tu vas dormir. Je n'ai pas besoin de toi, mon petit passereau. Et est-ce que je peux faire venir... Oui... ma grosse bébête tranquillement ici, on va voir pour la faire traverser au niveau de l'eau et la déposer pas trop loin. Et toi, t'es bientôt soigné, donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc nouvelle quête. Plus vous en savez. Sur Terre, il existait un dicton plein de sagesse qui disait « Le savoir, c'est le pouvoir ». Plus nous en savons, plus nous sommes puissants. C'est pourquoi nous avons fondé un institut pour que notre peuple acquiert des connaissances. Celles de ce monde, celles de l'ancien et celles que le futur nous réserve. La première vague d'étudiants est impressionnante. Ils ont soif de connaissances et ont juste besoin qu'on leur dise vers quoi orienter leurs recherches. Donc soit c'est dans tous les domaines et on gagne de la science, soit sur une technologie en particulier on gagne une technologie gratuite. Je vais peut-être gagner une technologie gratuite. On va voir un petit peu ce que l'on peut gagner. Regardez, je vois ici une technologie qui est assez lointaine et qui demanderait 9 tours. Donc je pense qu'on peut se la permettre. Ça nous donnerait des générateurs qui donnent de la production. Ce qui est plutôt intéressant, je pense, puisque au moins nos générateurs maintenant nous fournissent non seulement de l'énergie, mais aussi de la production. Et comme on a, ça pourra être l'occasion de revisiter un petit peu nos moyens de production pour gérer tout ça au mieux. Quoique, si on va regarder ça. Pour cet épisode, ça peut être pas mal. Bon, on est bloqué par un monstre marin de ce côté-ci. Mais on n'utilise pas vraiment la mer, donc c'est pas trop gênant encore. De la nourriture, de la science. Oui, ça va se bloquer. Ok. De ce côté-ci. Ça, pas vraiment intéressant pour l'instant. De ce côté-ci, de la production encore. Je veux bien. Ici, pas vraiment du mieux. D'accord. Là, c'est bloqué aussi. Et de ce côté-ci, on n'avait pas vraiment tout choisi. Mais je pense qu'il va falloir transformer certains éléments en... en générateur pour avoir un peu plus de production. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de nourriture, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans l'immédiat.
En tout cas, encore 14 tours avant la fleur spirituelle. Allez, on va voir ce que l'on peut obtenir pour ce tour-là. Donc, apparemment, ils ont fait la paix. Ah oui, quand même, oui, d'accord. Il y a pas mal de... d'éléments. D'accord, on a atteint le niveau 4 en pureté, le niveau 5. Parce que l'on a volé la technologie élevée mobile. Bon, on a été repéré, c'est pas trop grave encore. On a été repéré. Ouf. De ce côté-ci, ils sont passés en niveau 3. On va voir si on peut passer les missions niveau 3. Il faut, je rappelle, réussir aussi. On a une mission pour faire un niveau 4 ou 5. Donc on va voir si on arrive à faire ce que l'on veut, à faire cette mission pour avoir un espion supplémentaire. C'est pas forcément très utile, mais en tout cas, ça pourrait nous aider par la suite. Donc pourquoi pas. On avait vu que les générateurs pouvaient être intéressants, donc je vais peut-être construire un générateur qui me permettrait d'avoir plus de production. La xéno-cavalerie, qu'est-ce qu'elle peut faire cette bonne vieille xéno-cavalerie? Ici. Mon xéno-titan, pour l'instant, pas très intéressant. Alors, on va se rapprocher au maximum du champ de bataille. Alors voilà, on a la ville de Wanli. Et je vais juste voir un petit peu les chemins pour y accéder. Est-ce qu'elle peut bouger encore? Ouais, on va la mettre là. Et puis on verra pour des bombardements depuis la côte. Ok. Nos maraudeurs, il va falloir les faire courir aussi. Toi, tu vas pouvoir construire une mine pour monter un peu ma production. Et voilà, de ce côté-ci. Allez, le Xénotitan, on avance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a encore quelques unités. Un convoi donc, qui va aller à cœur pour l'instant pour ajouter de la production à cœur. D'ailleurs, je vais voir si je peux pas acheter des bâtiments pour cœur qui permettraient d'avoir de la production. Le jardin génique... pas vraiment l'usine lève. D'accord, ça demande de l'aéroche. Ça donne beaucoup de production, ce qui est plutôt pas mal. Mais on n'a pas d'aéroche. Donc il va falloir s'en passer. Après, est-ce qu'on peut utiliser l'aéroche qui est disponible ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on a la technologie pour utiliser l'aéroche. Faut déjà voir si on a la technologie pour utiliser la fixarite. Ça pourrait être intéressant pour nous. Allez, on va passer le tour. La nanothermite ici et dans 13 tours la fleur spirituelle. Alors on a fini ça, construire les monorails magnétiques, oui ça c'est important. Ok, donc ça c'est plutôt intéressant, on va pouvoir je pense construire des monorails, ça pourrait être tout aussi intéressant. Alors, on va avancer cette unité jusqu'ici. Toi, tu vas dormir pour le moment. Donc, apparemment, nos unités peuvent traverser les... peuvent traverser totalement les montagnes, ou tout au moins se déplacer sans trop de problèmes à travers. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, si on peut traverser les canyons sans problème, je vais pas m'en plaindre. Le tout, c'est de faire en sorte que nos unités puissent tout à fait s'en sortir. Alors, le réseau de surveillance. Non, Néoplanétarium. Nanopâturage.
Non, le jardin génique, pourquoi pas la fonderie d'alliage. La fonderie d'alliage plus 2 de production pour le titane. Est-ce qu'on a du titane ici? Oui, alors ça c'est plutôt intéressant par contre. Gagner beaucoup de production comme ça, je vais pas dire non. Est-ce qu'on a du cuivre? Silice, basalte, grille satellitaire. Non, on n'a pas vraiment de cuivre dans le coin. Mais en même temps, ouais, on va faire comme ça, je pense. Non, peut-être pas ça. Pardon. Plutôt un réacteur de thorium pour gagner un peu plus de ressources. Je pense qu'on va pouvoir finir par acheter. Acheter de nouveaux ouvriers parce qu'on commence à s'étendre sacrément et on n'aura peut-être pas suffisamment d'ouvriers, ce n'est pas sûr du tout. Donc ça va être un peu plus compliqué. Allez, on passe au tour suivant. Et là, on va pouvoir faire avancer. Alors, on a gagné un niveau apparemment. Il y a des unités qui n'étaient pas ici. Alors, d'accord, Vadim Kaslov a découvert le signal, mais bon, ça, les Africains l'avaient fait avant lui. Résoudre les problèmes par la force est Et satisfaisant. on a eu la nanothermite Ce qui qui se fait donne de jamais sans l'énergie, de difficulté. la défense de ville aussi. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que tu peux venir ici et faire ceci? Je vais avancer ma cavalerie. Ça m'intéresse moyen. Et voilà, là on trouve les unités adverses. Ça m'intéresse beaucoup plus. Parce que ça me permet d'apporter mon navire. Et de pouvoir... non, pas faire grand-chose malheureusement. Ok. Pas beaucoup d'intérêt de ce côté-ci. Allez, on va faire avancer mes unités. Ouais, alors, je peux se déplacer. Ah, il peut pas tirer, il est vraiment trop loin, c'est dommage. C'est dommage. Il y a des choses intéressantes quand même à peut-être piller par ici. Alors, Enza. Donner de la production à cœur, je me dis que pourquoi pas, mais j'aimerais ce qu'elle produit quoi. Système de résurrection, oui, non, c'est peut-être mieux qu'elle gagne de la production. Mais avec Grand Exito, ça sera encore mieux. Ça sera encore mieux. Alors, de ce côté-ci, on va avancer encore nos unités. Donc si je regarde quand même au niveau des points de victoire, pour l'instant, il y a un petit peu tout le monde qui a une victoire par domination parce qu'on a pris la ville de nos adversaires. Et dans le contact, pour l'instant, il n'y a que Vadim Kaslov qui tente peut-être aussi une victoire par la domination. Va falloir voir. Culture développée, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un nouvel explorateur? Avoir une plus grande expansion des frontières. Ça m'intéresse beaucoup plus. Avoir plus de santé en fonction des unités commerciales que l'on a, ça peut être plutôt pas mal. Alors, on peut augmenter oh, nos portes aéronefs en hydre, ce qui est plutôt pas mal. Ça c'est pas mal, soigner plus les aéronefs ou capacité en tant que base aérienne plus importante. Les soigner, ça c'est plutôt intéressant, je trouve, parce que comme nos unités vont devoir se battre régulièrement, si on peut les soigner quand elles sont loin sans devoir à chaque fois risquer nos unités, je vais pas dire non, centre d'information. Non. Question transcendante. Non, usine. Lève bof. Ça m'intéresse pas. Il n'y a pas forcément des choses qui m'intéressent.
Nanopâturage, jardin génique. Ah, le jardin génique va m'intéresser quand même, hein. Avoir plus de science, plus de santé. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, elle est où, Tiangong? Encore 17 tours. Ah oui, quand même. Donc, on va pas pouvoir l'utiliser tout de suite, cette cité-là. Convois commerciaux, d'accord. 100 pour les avoir pillés. Bon, allez, hop, fini d'être gentil. Il faudrait qu'il s'y fasse. De toute façon, on n'est pas là pour faire des cadeaux à des personnes qui nous ont insultés un petit peu plus tôt. Alors, c'est parti pour détruire ça. Par contre, il va falloir avancer, je pense, nos unités par ici, parce que sinon on va pas pouvoir. Ouais, voilà, ils ont pas mal de. On va pas pouvoir tirer à cause de la colline ici. Ça va être assez important. Donc on va peut-être se permettre de passer par la mer. Ok, là le champ a été fait. La silice. Ou la fibre. Si je fais un champ ici, ça donne quoi? Je ne sais pas. On va reculer quand même, parce que j'ai un peu peur. Alors, on a perdu un agent à rater à Crabrost. Alors, voilà, voyons voir Crabrost. Qui est passé à niveau 2. Non, elle est même pas à niveau 2, elle est juste à niveau 1. On va refaire un vol de science. D'ailleurs, on en est où de ce côté-ci? Ah, d'accord, on n'est pas. On est encore très loin. On va pouvoir maintenant quasiment rechercher toutes les technologies hein, qui rapportent, qui demandent très peu au final. Donc les technologies vont avancer, je pense, assez vite. Parce que ça demande quasiment rien et on produit quand même beaucoup. Donc on verra déjà trouver des éléments qui pourraient peut-être nous avancer pour la suite. Si on cherche juste par l'harmonie, est-ce qu'il y en a encore hein, qui n'ont pas été recherchés? Ah, elle a été recherchée, d'accord. Ouais, on n'en a pas raté beaucoup, hein. Ouais, on les a vraiment toutes recherchées. Donc maintenant, ça va être surtout des technologies qui nous intéressent en fonction de ce que l'on veut faire en fait. J'ai pas d'idée précise. De toute façon, je pense qu'on a construit tout ce qu'il nous fallait. On a recherché en tout cas tout ce qu'il nous fallait. Maintenant, il va falloir avancer. Oh, Xénocavalerie a pris 20 dégâts. Et on a eu leur aviation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il va, oui, il va nous manquer une route ici, mais on gérera ça par la suite. Alors, et il va se soigner. Est-ce qu'elle peut tirer de ce côté-là? Oui, elle peut tout à fait tirer sur Wanley, qui va pouvoir prendre un peu de dégâts. Ah, ils ont vraiment fait le ménage, hein, les Russes de ce côté-ci. Est-ce que mon bateau peut tirer d'aussi loin? Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'il puisse tirer d'aussi loin. Là, gagner ça va être très très bien. Je vais faire avancer mon Xénotitan. Et on va faire ce qu'il nous faut pour la suite. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, niveau des constructions, Grand Exito, Pharma Laboratoire, me paraît le plus indiqué. Le vivarium, de donner de la science aussi. Donc, on va construire la vivarium pour faire monter les villes assez rapidement. Tout simplement. Notre fleur spirituelle est à 9.
En tout cas, toute la production qu'on a envoyée sur notre ville, ils nous donneraient Ganzorig. On va refuser. On va leur laisser Ganzorig. Nous, on veut Wanley. Par contre, ils nous font des dégâts. Ok. Ah non, que 2 dégâts avec leur missile. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Bon, bien sûr, notre unité se soigne pas si bien que ça. Il faudrait qu'elle se soigne sur du miasme. Où elle gagnerait bien plus. Vétérance obtenue pour cette unité du dégât, ça va très bien. Allez, 29 de dégâts ici. Et on va commencer à construire des monorails aux endroits plutôt stratégiques. Ouais, la ville commence à prendre sacrément du dégât, mais ça, ce n'est pas notre problème. Enfin, si, parce qu'il va falloir quand même qu'on s'en serve ensuite, mais là au moins, on va pouvoir gérer. Allez, voyons voir si avec ce tir-là, il restera. Ah, elle a plus qu'un point de vie, donc notre Xeno-cavalerie peut tout à fait attaquer. Et prendre Wanley. On va en faire une ville fantoche à nouveau. Pour l'instant, puisqu'on n'a pas remis toutes nos villes en état. Donc on va se permettre de laisser remonter ça. Il faut déjà que Tiangong puisse, hop là, puisse tout à fait remonter. Là, on peut rien acheter, on peut rien faire. Tant qu'elle est pas, elle a pas quitté sa loi martiale, on ne peut rien faire. Alors, fidèle, le jardin génique, ça peut être pas mal. Et centre d'information, plus de culture. Plus de ressources, ça peut être bien aussi. Et je pense qu'on va pouvoir demander la paix dans le prochain épisode. Au tout moins dans celui-là, pardon. Pas encore dans le prochain. Dans le prochain tour plutôt. Ouais, on perd 1% de culture, 12% de croissance, c'est rien hein, ça. Ok, donc on va pouvoir avancer mes unités et leur demander de ne rien faire, juste se retrancher pour le moment. Maxime Cavalerie plutôt voilà, se retrancher jusqu'à guérison. Connexion établie par la mer, mais on fera aussi bien sûr une route. Et on va leur demander négocier la paix. Voilà, juste proposer ça. Et au moins on aura eu la paix que l'on voulait. Pas de soucis là-dessus. On va pouvoir continuer notre progression. C'est parti pour aller au tour suivant. Guerre entre l'arc et les slaves, encore une fois. Décidément, ça fait pas mal de fois qu'ils se battent ces deux-là. Bon, en même temps, ils sont à côté, hein. Ils sont côte à côte. Ce qui est tout à fait logique dans ces cas-là, que ça entraîne des guerres. Mais l'arc est quand même assez guerrier. Et je vois là plusieurs villes. De Magan là, des Africains. Oui, alors attendez. Non, on va pouvoir avancer. On produit quand même 30 unités Xenomas, c'est énorme. Oui, si tu veux aller obsolète. Mais on va pouvoir construire, améliorer ça. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a du titane encore. On a des monorails qui vont se construire. Et on va pouvoir... alors, attendez, s'il va vers cœur... Vers cœur, qu'est-ce que ça donne? Tiangong, d'accord. Non, il y a trop de... Ok.
Ok, et une opération secrète à découverte à Niantine. Bon, pourquoi pas. De ce côté-ci, l'unité va se retrancher pour l'instant. La xénocavalerie va pouvoir se retrancher. Et on va laisser nos unités par ici pour l'instant. Si on venait à se faire déclarer la guerre ou s'il fallait qu'on attaque. Alors attendez, ça c'est pas une très bonne nouvelle. Victoire par l'émancipation. Ça peut être une mauvaise nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'il faudrait lui déclarer la guerre et l'attaquer pour détruire tout ça. Alors, victoire par émancipation. Condition de victoire 75. Donc ça veut dire qu'il va falloir déclarer la guerre, je pense, très rapidement, et détruire certaines de ces cités. Donc on va avancer nos unités, parce que là, c'est pas bon du tout. Ouais, parfois, il faut savoir choisir, et là, je pense qu'on va pas avoir vraiment le choix, pour le coup. Hop là. Il va nous falloir vraiment être... très rapide. Et si on arrive à détruire ce qu'il a, à détruire cette porte-là, ça pourrait être pas mal. Donc cybernétique dans un tour. Et on va pouvoir voir ce que ça donne. Mais là, ça va être une autre que les êtres humains aient pu atteindre de nouveaux mondes à l'aide de la science informatique obtuse des implantations est aussi impressionnant qu'affligeant. Ça, c'est pas mal. Ça, il y a des téléporteurs, ça peut être intéressant. Donc, oui, là, notre intérêt, ça va être surtout d'avancer le plus rapidement possible et de l'empêcher de réaliser sa victoire. Parce que là, sinon, on va être vraiment embêté. Allez, on va pouvoir détruire, je pense, certaines constructions. Ça pourrait être tout à fait intéressant. Et même si c'était pas vraiment mon objectif, là, eh ben, il va falloir faire avec. Et je pense que ça va être une déclaration de guerre en bonne et due forme. Déclaration de guerre, oui. Rentrer comme un tyran, tout à fait. Allez, destruction de la première unité. Parce qu'il a trop d'avant-postes et là, c'est pas une bonne nouvelle, hein, quand ça commence comme ça. Alors, guerre, on passe le tour et on se laissera peut-être pas là. On va juste détruire cet avant-poste et puis on se laissera là pour cet épisode. On aura quand même avancé toutes nos unités. Et on filera directement, je pense, vers la capitale. On va voir si nos unités peuvent déjà... D'accord. Donc je vais utiliser cette unité-là pour faire un tir sans sommation. Ah, je peux pas laisser comme ça, hein. Franchement, on va passer le tour. Une fois qu'on aura pris, bon, on rase la ville. Aucun intérêt pour nous de la garder. Et on va continuer d'avancer nos unités. Parce que là, ça va être important. Bien, convoi commercial, grand exito. Oui, ça m'arrange. On a réussi à voler de quelque chose ici. C'est plutôt pas mal. Choisir une mission. Vol de science.
Et je pense que là on a le monorail donc. Parce que ça va être assez intéressant de mettre des monorails de partout pour aller tout simplement plus vite et faire que toutes nos unités puissent après se diriger vers le champ de bataille plus rapidement, que ce soit par Quyenne ou autre. D'accord, 2 tours avant la destruction de la ville. En tout cas, on va passer le tour et se laisser là. Nouvelle guerre pour s'assurer la victoire par l'harmonie, ça va être compliqué. Vous vous en doutez. Oh, et on a perdu Zuberi, ok. Donc on va la reprendre. Oui, si tu veux, enfin bref. Donc c'est là-dessus que l'on va se laisser pour cet épisode. Il va falloir recruter beaucoup d'unités, je pense, et les ramener sur le champ de bataille. Détruire tout simplement notre adversaire le plus efficacement possible et faire en sorte qu'il n'ait pas cette victoire. Nous on a plus qu'un tour pour avoir la fleur spirituelle. Donc peut-être dans le prochain épisode la fin de cette série. Pour l'instant je ne sais pas. En tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là portez-vous bien. Salut.